Hallo und willkommen, bonjour à toutes et à tous. Rendez-vous aujourd'hui à Sarrebruck, au lycée franco-allemand de Sarrebruck. Nous découvrirons tout à l'heure le journal en ligne de ce lycée. Julien Bidot sera notre interlocuteur pour parler de Caméléon, le journal en ligne du lycée franco-allemand de Sarrebruck. Notre région transfrontalière héberge de nombreuses écoles biculturelles, mais comment fonctionne-t-elle? C'est la question que nous nous sommes posées. Pour une expérience immersive sur fond musical, nous irons à la Völklingerhütte. Une nouvelle exposition sur grand écran attend le public. Puis ce sera le rendez-vous de notre labo interculturel avec Tom, qui se dépatouille comme il peut avec le tri des déchets en France. Et pour finir, nous partirons à Petersbechel, dans le Palatinat, à la rencontre d'un artiste sculpteur sur bois. Notre invité ce mois-ci est Julien Bidot, il a 14 ans, il est élève en 3e au lycée franco-allemand à Sarrebruck et il participe au journal en ligne Caméléon. Hallo Julian. Hallo. Wir bleiben draußen, damit wir keine Maske tragen. Aber gerade jetzt findet die Redaktionssitzung eurer Online-Zeitung statt. Normalerweise bist du dabei. Julian, erzähl mir ein wenig von Caméléon. Genau, also Caméléon ist das Online-Schülerzeitung, die Online-Schülerzeitung des deutsch-französischen Gymnasiums in Saarbrücken. Und wir berichten, wie es am DFG auch üblich ist, auf 2 Sprachen und manchmal sogar auf 3, manchmal auch auf Englisch. Und wir haben letztes Jahr tatsächlich unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert und sind aktuell 12 RedakteurInnen und 3 BetreuungslehrerInnen. Und worüber schreibt ihr ganz genau, ganz konkret? Wir schreiben zum einen erstmal über unsere Schule, aber auch alle möglichen Themen wie eine normale Zeitung auch. Und wir haben viele verschiedene Typen von Artikeln. Wir haben Videos, wir haben Podcasts, aber auch geschriebene Artikel. Und wir schreiben wirklich über alle Themenfelder von Welt, Politik und Gesellschaft. Und gerade auch was französische und deutsche Freundschaft auch betrifft und eben Dinge, die an unserer Schule passieren. Ich habe gesehen, ihr habt eine Rubrik, Le mot de la semaine. Genau. Worum geht es genau? Genau, Le mot de la semaine oder das Wort der Woche ist eine Rubrik, die jede Woche erscheint. Und das ist immer ein kurzer Artikel. Und da geht es eben um was drin, was gerade in der Woche aktuell ist. Und da wird in einem kurzen Abschnitt dann darüber gesprochen, was gerade aktuell ist. Und ihr seid deutsche und französische Schüler. Genau. Wie wie geht es sprachlich während der Redaktionssitzung? Sprachlich ist so, auch wie auch sonst am DFG, alle können eben die Sprache sprechen, die sie gerne sprechen. Und ja, das kommt dann drauf, kann dann sein, dass dann eine Person auf Französisch spricht und dann antwortet vielleicht die Lehrerin auf Deutsch und umgekehrt oder der Lehrer. Und das, ja, das ist ganz unterschiedlich, jeder so wie es möchte. Du hast, Julian, einen tollen Beitrag über Migranten gemacht. Du hast dafür Politiker und Politikerinnen interviewt. Wie ist es, wenn sich ein Schüler bei Politikern meldet? Also es war schon ein spannendes Projekt für mich. Ich habe mich darauf gefreut, und weil ich wollte es wissen. Weil damals war wirklich die Situation für die Flüchtlinge wirklich, wirklich schrecklich in den Lagern. Und da wollte ich darüber berichten. Und dann habe ich die angeschrieben, die PolitikerInnen aus verschiedenen Parteien, und habe auch 2 Antworten bekommen. Sogar, ja, 2 Antworten bekommen von denen. Ich habe 4 insgesamt angeschrieben und 2 Antworten habe ich bekommen. Und die waren wirklich sehr, sehr freundlich und haben sich meine Fragen gestellt und waren alle sehr nett. Und wir haben dann über die Politik gesprochen. Und du, Julian, du hast beide deine Eltern sind Deutsche. Warum wolltest du hier in dieses Gymnasium? Ja, also ich mag es zu kommunizieren und Sprachen zu sprechen und so vielleicht auch den Horizont zu erweitern. Und gerade auch in der Grenzregion ist natürlich Französisch sprechen können eine tolle Sache. Und dann war ich hier am Mitmachtag oder Mitmachabend und es hat mir sehr gefallen.
Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe auf diese Schule und probiere es aus und ich habe es nicht bereut. Und willst du später im Medienbereich vielleicht arbeiten? Ja, also ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich werde auf jeden Fall so in die Richtung Kommunikation gehen. Journalismus finde ich sehr spannend, aber auch Themen wie Schauspielerei zum Beispiel. Und ja, das ist vielleicht schon was mich in der Zukunft dann, ja, wo ich dann vielleicht mal arbeiten werde. Okay, sollen wir den nächsten Beitrag zusammen Gerne. Einführen? Gerne. Okay, wir bereiten uns okay. kurz vor ja. und dann geht's los. Danke, Julien. Danke. Julien, à toi la parole. Merci. Et maintenant, on regarde un reportage sur les écoles biculturelles. Ich wohne in Beach. Ich bin 10 Jahre alt. Meine Mama heißt Cindy. Mein Papa heißt Alain. Chaque séance démarre par de petits rituels. On se présente, on inscrit la date du jour, on interroge ses camarades, le tout en allemand. Car dans les sites biculturels, le temps consacré à la langue voisine est conséquent. Le dispositif prévoit environ 9 heures d'enseignement de l'allemand par semaine, sans compter l'intervention d'une assistante de langue entre 4 et 6 heures. Des enseignants allemands sont également embauchés. Heike Leroux a préparé aujourd'hui des ateliers pour ses élèves de CM2. Pour célébrer l'anniversaire du traité de l'Elysée ou traité d'amitié franco-allemande, ils vont justement s'intéresser à la politique de ces deux pays. Des ateliers qui reprennent les différents axes travaillés par les enseignants. Donc les cours de langue sont faits dans 5 compétences. Donc une compétence pour écouter, une compétence pour parler, une compétence bien sûr pour lire et écrire, mais aussi pour se poser des questions. Ce site comporte plusieurs écoles, les maternelles du Champ de Mars et Rempart, les élémentaires Baron de Gunzer et Louis Pasteur de Beach, ainsi que le groupe scolaire Vallée de la Horne de la petite commune de Valdouze, qui compte une 50aine d'élèves. Aujourd'hui, d'enseigner l'allemand chez nous a un sens important, sachant que pour le futur de ces enfants, nous vivons à proximité de l'Allemagne, où le bassin d'emploi, l'économie, le partenariat est quand même fortement représenté. L'ensemble des enseignants des écoles du site doivent maîtriser l'allemand. Ils doivent aussi savoir s'adapter pour couvrir l'ensemble du programme, impacté par le volume horaire consacré à l'allemand. Les sites biculturels permettent d'acquérir une maîtrise plus poussée de la langue, mais aussi d'approfondir ses connaissances de la culture germanique. Tous ces enseignements permettront aux élèves qui le souhaitent de poursuivre dans cette voie, à travers leurs études supérieures ou leur futur métier. Les élèves sortant de ce cursus-là obtiennent donc des certifications en langue dans le cadre européen, dans le cadre commun de référence pour les langues au niveau européen. Et après, il y a des formations, ça donne accès à des cursus en études supérieures. Et même pour d'autres élèves qui n'auraient pas la chance de faire des études supérieures ou qui ne le souhaiteraient pas, ça nous donne un bagage linguistique et culturel qui permet d'avoir un emploi même non qualifié en Allemagne. Il y a actuellement 11 sites biculturels en Moselle. En plus des apprentissages, de nombreux projets transfrontaliers sont mis en place, comme des échanges avec des classes allemandes ou l'organisation de spectacles en allemand. Des projets possibles aussi grâce à des partenaires, d'une part les communes, qui prennent en charge les transports pour ces événements, mais pas seulement. Nous avons deux assistantes de langue allemande qui interviennent dans les écoles maternelles et élémentaires, et ces personnes sont rémunérées à hauteur de 18% par l'Union européenne, 20% par le conseil départemental et 62% par la municipalité. Pour nos enfants aujourd'hui, de leur permettre de découvrir la langue de l'autre, pour leur permettre demain d'aller travailler en dehors de nos frontières, puisqu'aujourd'hui la mobilité est essentielle, donc il faut leur donner toutes les possibilités et leur ouvrir toutes les portes. Et d'autre part, le département de la Moselle, à travers le programme Sésame Grande Région, qui met notamment à disposition des écoles du matériel pédagogique. En fait, il faut donner envie à nos enfants d'apprendre l'allemand, et c'est pour ça qu'on les fait baigner dès la maternelle dans un bain de langue germanophone. Mais c'est aussi et surtout, je pense, leur donner l'outil, la langue, leur apprendre l'allemand pour qu'ils puissent effectivement s'en sortir et puis pouvoir créer des liens et aller travailler en Allemagne. Après l'école primaire, la continuité pédagogique peut se poursuivre au collège, avec ici une liaison mise en place avec le collège Jean-Jacques Iffert de Beach.
Stromae, Massive Attack, Beyoncé, leur musique est généralement associée à des clips vidéo bluffants, mémorables. La Völklingerhütte accueille en ce moment une nouvelle exposition. Elle met en exergue l'étonnante créativité du monde des clips. Un reportage d'Ophélie Blechner qui s'est déhanché sur un rythme endiablé. Bien plus qu'une exposition, le rendez-vous avec les stars des années 80 se vit comme une expérience mélodieuse et colorée dans l'obscurité, au cœur de l'ancienne Assyrie de Völklingen. Des images fragmentées sur des écrans géants et des téléviseurs. La musique qui va avec les vidéos est perceptible via des écouteurs individuels. Man hat hier den Multimedia Guide, die Kopfhörer auf und bekommt automatisch die Musik auf die Ohren, hat auch die ganzen Informationen, wenn man das möchte, zu den Filmen und man ist quasi wie in einem riesigen, gigantischen Kino, einem Panoptikum des Musikvideos und durchwandert wirklich die Jahrzehnte. Der früheste Film, den wir hier haben, ist von 1936 und es geht eben bis ganz aktuell natürlich 2001 Filme, die also die ganze Bandbreite und auch die ganzen Themenspektren des Musikvideos abdecken. De Billie Eilish, le visiteur est propulsé ailleurs, quelque part où le temps et l'espace ne comptent plus. Au fond d'une pièce sombre, des images projetées sur des écrans. Il suffit de faire quelques pas pour que la chanson du groupe électro-rock Make the Girl Dance arrive dans notre casque. Trois jeunes femmes dénudées déambulent dans la rue à Paris. Les têtes bougent, les pieds dansent discrètement. Man kann eben sozusagen auch in die Schächte hineingehen oder hinabblicken und man blickt tatsächlich auch in die Abgründe unserer Gesellschaft. Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Das heißt, dass wenn wir Menschen mit sensibleren Gemütern haben, dass sie dann tatsächlich eben nicht in den Abgrund schauen, der eben dann mit Sexualität oder von Gruppengewalt in Paris, in der Banlieue spricht. Das sind alles auch Realitäten, die sind wichtig, dass wir sie zeigen. Da stehe ich auch voll und ganz zu als Generaldirektor dieses Hauses. Aber wir wollen natürlich nicht jeden damit schockieren, sondern er soll dann selber überlegen, will ich mir das antun, will ich den Schnitt oder den Stich durchs Auge sehen bei Massive Attack oder bleibe ich lieber oben auf dem Boden, wo wir dann eben vielleicht Madonna haben oder Billie Eilish, die Bad Guy. Retraçant une trentaine de pays, les 84 clips alimentent une visite plongée dans un territoire irréel où convergent l'art, le cinéma, la musique et la danse. Le panorama proposé dans la salle d'essoufflante réunit la terre, le ciel et l'enfer, des turpitudes actuelles de la civilisation. Wir als Weltkulturerbe können eben diese Realität, die auch in den Filmen ja sehr deutlich und drastisch da ist, da geht es zum Teil auch um Jugendprostitution, da geht es um Umweltzerstörung, da geht es um politische Fragen, all das ist eben auch dort drin. Und das findet hier tatsächlich einen wunderbaren Ort in der Gebläsehalle. The World of Music Video, en passant de l'époque où écouter de la musique sur le net était une nouveauté jusqu'au temps moderne, un voyage palpitant dans l'univers de nos vidéos, un festin pour les yeux et les oreilles. À voir encore jusqu'au 16 octobre. Je vous propose de rejoindre notre ami allemand Tom. Il nous fait part régulièrement des différences interculturelles qu'il remarque. Et en ce moment, il a du mal avec le tri des déchets. Pas évident, hein, Tom ? C'est vrai que moi, en France, le tri des déchets, j'y comprends pas grand-chose. Déjà, il y a trois couleurs de sacs. Bleu, orange, vert. Mais à quoi correspond chaque couleur ? J'en sais pas. Rien n'est écrit dessus. Comment savoir ? Et puis, quand je demande autour de moi... Du coup, ça va où le plastique ? Ben, personne ne sait le me dire. Alors, voilà, donc tu dois jeter quoi ? Chez moi, en Allemagne, on a la poubelle jaune pour le plastique et la poubelle bleue pour le papier et le carton. Au moins, c'est clair. Tout au moins pour moi. Mais en France, si j'ai bien compris, le tri des déchets consiste à ne pas trier le papier du plastique. En gros, on met tout ensemble dans le même sac. Le tri se fait après, plus tard, ce n'est pas aux citoyens de s'en charger. Et parlant des déchets, en France, faites attention à vos bouteilles consignées allemandes. T'as terminé ? Viens, je la mets à la poubelle. Quoi ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu perds 25 centimes. Non.
C'est un passionné de bois dont on va faire maintenant la connaissance. Erwin Wurth propose dans son atelier non seulement un regard sur 30 ans de ses créations, mais aussi des visites guidées qui permettent de comprendre les étapes de son travail. Jens Scherer l'a rencontré. Tout a commencé au Danemark en 1991 avec des déchets de plage. Le menuisier et éducateur spécialisé Erwin Wurth a vu quelque chose dans les morceaux de bois échoués sur la plage. Une idée et une fascination pour le matériau s'en sont suivis et n'ont dès lors plus quitté l'artiste. Depuis, il a donné une nouvelle vie à des objets jetés en les assemblant sous une nouvelle forme. Also, ich arbeite im Grunde immer noch mit meinem Strandgut. Entstehen immer auch noch Projekte zwischendrin mit Strandgut vom Meer angespülte Hölzer, die ich selbst auch in Dänemark sammle. Das sehen Sie auch in meinem Atelier, da ist auch ein großes Strandgutlager. Und ansonsten sind das alles Hölzer hier aus der Region, aber nicht die geraden, glatten Stämme, sondern die Unikate aus der Natur. Das, was eigentlich die anderen nicht brauchen oder was höchstens zum Brennholz wird, das hole ich mir, erwerbe mir das offiziell beim Forst. Und dann gucke ich, was kann man da draus machen. Also alles im Umkreis, sage ich mal, von 100 Kilometer. L'art d'Erwin n'est pas confidentiel. Il aime non seulement partager les résultats, mais aussi le processus de travail lui-même. À Petersbechel, on peut découvrir ses œuvres d'art sur 200 mètres carrés. L'atelier est juste à côté, tandis que la scierie historique est de l'autre côté de la rue. Il est heureux de partager les étapes de travail sur les différents postes avec des gens intéressés. Also ich biete hier Führung vom Baumstamm zum Kunstwerk, Holzart Erlebniswelt, im Grunde wirklich vom Baum am historischen Sägewerk. Bis durch die Werkstatt, wo die Sachen zugeschnitten, gehobelt, geschliffen und bearbeitet werden. Auch Projektausstellungen, die ich gemacht habe, verschiedene der Kunstprojekte, die man hier besichtigen kann. So eine Führung geht dann wirklich vom Sägewerk durch Werkstatt, Atelier bis am Schluss hier ins Ausstellungsgebäude. Dauert so 1,5 Stunden und jeder kann seine Fragen über das Thema Werkstoff Holz stellen und ich versuche das zu beantworten, was ich machen kann. Erwin Wurth travaille souvent sur 5 à 6 objets en même temps. Il sait exactement où il a stocké quoi. Certaines trouvailles dorment dans l'entrepôt pendant des années jusqu'à ce que l'idée brillante surgisse, puis qu'une pièce unique soit créée. Pour lui, il existe 2 approches différentes de la création artistique. Also es gibt einmal den einen Weg, dass ich eine Idee habe. Wie jetzt das Projekt, was ich für Landau gemacht habe, Lichter für Landau. Und dann suche ich mir originelle Unikathölzer, um tolle Lampen zu machen, aus hohlen Bäumen, aus aufgerissenen Bäumen oder egal was. Dass ich mir also das Material zum Thema suche. Ansonsten lasse ich mich einfach auch oft vom Material inspirieren, weil es gibt einfach so Geschwüreformen, wo ich schon sehe, Mensch, das könnte jetzt ein Baum geben, das könnte eine Weintraube geben, das könnte ein Engel geben, also sich wirklich vom Material inspirieren zu lassen. Erwin Wurth a même un logement de vacances avec des meubles exclusivement faits maison. Son atelier est ouvert à la visite les mercredis en fin d'après-midi ou sur rendez-vous. Avant la pandémie, l'artiste était souvent sur les routes avec parfois 16 expositions par an. Maintenant, il espère pouvoir bientôt accueillir à nouveau des groupes plus importants dans son atelier. Ainsi s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.